les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 13 octobre 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance avec l'oracle de Gaïa, voir ce qui ressort pour cette journée. Alors, on va mélanger un petit peu. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Là. Alors, on coupe et on va prendre celle-ci. On a la carte de la quête. Donc ici, on nous parle de désorientation, confusion et solitude. Alors ici, on voit cette femme qui est avec un regard profond, un regard qui... pour moi, ici, on va nous parler d'être en quête, de trouver des solutions dans une situation. Donc ça peut être aussi une période où il y a beaucoup de confusion, où il y a beaucoup d'incompréhension et ça crée des doutes à l'intérieur de vous. Ça peut aussi ressortir par rapport à une situation où vous vous sentez isolé. Vous vous sentez dans une situation en tout cas où il y a comme un sentiment de solitude intérieure. Là, on nous parle d'une situation où vous êtes à la recherche de pouvoir trouver de nouvelles possibilités pour pouvoir avancer. On a aussi le chiffre 6, donc le chiffre 6 est en lien avec des récompenses. Ça peut être aussi en tout cas des efforts que vous fournissez dans une situation pour pouvoir évoluer. Mais ce chiffre 6 est lié aussi au petit bonheur, au plaisir de la vie. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort avec cette carte. Alors, on va poursuivre avec le petit Lenormand. On va faire le petit tableau. Alors, dans la coupe, nous avons le cavalier et nous avons la carte des chemins. Alors ici, il peut y avoir des nouvelles pour vous, des nouvelles qui vont amener une possibilité de choix, de prise de décision. Peut-être qu'aussi, par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, ça peut être également la visite d'une personne. Il y a des questions qui se posent, il y a une grande réflexion. On cherche en tout cas à trouver un nouveau chemin, à trouver de nouvelles possibilités. Donc ça peut être aussi le fait que ces nouvelles vont vous permettre de faire un choix, de pouvoir prendre une décision. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va piocher les 15 cartes. Une, oups, là, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et deux autres cartes, 14 et une dernière. On va prendre celle-ci. Hop. Voilà, on a notre petit tableau. Alors, on va récupérer les cartes et voir ce qui se trouve au dos du paquet. Nous avons la tour, donc ça peut représenter aussi un isolement, une certaine solitude. Peut-être qu'on se sent bloqué, on se sent emprisonné, c'est une image, mais on se sent emprisonné dans une situation. Il y a des énergies en tout cas qui se passent à l'intérieur de vous, qui amènent beaucoup de réflexion et un besoin de prendre de la hauteur. Ça peut concerner aussi un établissement, un lieu de travail ou un lieu administratif. On a la carte des nuages et la carte du cercueil. Donc là, ça annonce aussi des prises de décision importantes concernant une situation qui peut être floue, confuse pour vous. Et on voit que par rapport à ça, vous allez pouvoir avoir une nouvelle vision sur les choses. C'est comme si vous étiez en haut de cette tour et que vous pouvez regarder ce qui se passe autour de vous. Alors, tout d'abord, ce qui ressort, c'est le domaine professionnel, mais pas seulement. Ici, on peut nous parler pour certaines personnes qu'il y a certaines tensions. Peut-être aussi, ça peut être des choses qui sont complexes. Ici, ça peut représenter aussi un collègue de travail ou des personnes qui vous entourent dans un cadre professionnel. On nous dit ici qu'il y a des obstacles. Il y a une situation, en tout cas,
qui vous stresse, qui amène un état d'anxiété. Pour moi, la carte de la Verge, c'est aussi des choses qui se répètent. Donc, il y a une situation ici qui prend du temps, où vous vous sentez peut-être retardé par rapport à une situation. Mais on voit ici qu'il va y avoir des nouvelles pour vous, donc ça peut concerner aussi un travail. Il y a des nouvelles sur le plan professionnel et on voit un retour à la sérénité. C'est quand même la carte centrale, la carte de l'espoir, de la bonne étoile, du calme intérieur. On a aussi ici la carte de l'homme, les oiseaux et la verge. Donc par rapport à une personne autour de vous, c'est aussi trouver un apaisement, pouvoir régler peut-être des discussions qui sont difficiles. Effectivement, ces deux cartes ensemble peuvent représenter des conflits, des tensions, des désaccords. Donc là, on voit que vous avez à cœur de retrouver une grande sérénité par rapport à ça et de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors, je vais vous dire ce qui ressort. Donc ici, on a aussi les deux cartes de personnages. Donc ça peut être une situation qui est en lien avec une relation d'une personne proche de vous au niveau sentimental, familial ou autre. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez de fortes ambitions concernant une situation qui peut être officielle. On a aussi la carte de la maison et la carte du lys. Avec la carte de l'ours, c'est une situation officielle concernant un lieu de vie. Ça peut être par rapport à une maison ou en tout cas un lieu. Il y a des démarches par rapport à ça, des démarches importantes au niveau administratif aussi, concernant le plan financier. Mais j'ai quand même le sentiment que pour certaines personnes, au niveau financier, il est possible que vous vous sentiez un peu trahi. Ça peut être en tout cas le fait que vous vous sentez déçu par rapport à une situation et que vous sentez qu'il y a de nouvelles décisions à prendre, des décisions avec sagesse, avec beaucoup de maturité. On a aussi le trèfle, donc on va nous parler d'opportunités, quelque chose de positif, d'une nouvelle chance pour vous, pour pouvoir justement reprendre le contrôle par rapport à une situation. On a aussi cette carte du jardin, donc sur le plan, effectivement ici, sur le plan amical, ça peut être le fait qu'on se sent déçu par rapport à une situation, ou qu'on a le sentiment qu'il y a des choses qui ne se développent pas comme prévu, comme attendu. Vous, on voit que vous êtes en quête ici de vraiment créer un lien fort. Ça peut être vraiment au niveau amical, relationnel, créer un lien fort et revenir à une plus grande sérénité. Ce que je vois quand même avec cette carte de la maison et la carte de l'ours, c'est que ça peut concerner pour certains des démarches importantes. Peut-être qu'il y a une situation qui a pris du temps sur le plan financier. Vous étiez peut-être dans l'attente de nouvelles et on voit que ces nouvelles arrivent et apportent de l'apaisement pour vous. Il y a quelque chose en tout cas d'officiel, peut-être aussi de juridique pour certaines personnes, mais ce sont des démarches concrètes qui ressortent ici. On a aussi cette carte du consultant, donc pour un homme ici, ça peut être également des nouvelles d'un ami, des nouvelles d'une personne proche, et on voit que par rapport à ça, il va y avoir aussi des communications, une belle ouverture. Cette carte du jardin, ça représente aussi les plaisirs, la joie. Donc il peut y avoir des communications concernant une invitation qui arrive à vous. Mais ici, il y a une situation qui bloque pour moi, c'est vraiment sur le plan financier. Peut-être aussi que vous passez par une période de transformation concernant vos finances, le plan matériel. Et on voit un besoin de dépasser ici des obstacles, des retards par rapport au travail ou aux activités dans lesquelles vous vous investissez énormément. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis avec le petit Lenormand. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le grand tarot Béline. Hop là. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour vous les amis pour ce mardi? Alors, je vais aussi retourner les cartes. Hop. Et on va faire la coupe. Alors, nous avons la carte de la critique et nous avons la carte du mariage. Alors ici, il est possible que pour certains, dans une relation, en tout cas, on voit qu'il y a une relation ici qui se concrétise.
puisqu'on a la carte ici des amoureux. Donc ça peut être vraiment une décision que vous prenez, que la personne de votre cœur prend avec vous. La décision de concrétiser cette relation, de passer à une nouvelle étape ensemble. J'ai le sentiment avec la carte de la critique que certaines personnes, peut-être autour de vous, ça peut être aussi de l'entourage, n'est pas d'accord avec cette relation, avec cette concrétisation. Et peut, voilà, il peut y avoir cette sensation d'être en conflit ou d'être en désaccord. Mais en tout cas, on voit que vous concrétisez quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan amoureux. Alors, on va poser les cartes. Une, deux, trois. Alors, ici, nous avons la carte de la prodigalité. Nous avons l'avenir. Et nous avons plus d'avantages. Alors ici, par rapport à votre situation, donc au projet que vous développez pour du long terme, pour une concrétisation, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts. Ce que je ressens ici, c'est beaucoup d'efforts. Peut-être que vous passez par une situation aussi où il y a beaucoup de désaccords, il y a des choses qui bloquent. Mais on voit avec cette carte que vous allez avoir ici des choses positives qui vont arriver à vous par rapport à une concrétisation, par rapport à des projets. Pour moi, il s'agit vraiment de régler, de pouvoir trouver une solution à des choses qui vous bloquent, des choses qui prennent du temps. Alors, on va recouvrir les cartes. Voilà. On a la carte de l'imprévu, l'augmentation et la carte de la prospérité. Donc ici, on voit que sur vous, par rapport à une situation, il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue. Et on nous parle d'évolution, on nous parle d'ascension. On a la route fortune ici qui annonce pour vous une situation qui va durer dans le temps, qui va être prospère et dans laquelle vous allez vous sentir bien et accompli. Pour moi ici, il y a quelque chose qui avance de manière bénéfique par rapport à un nouveau cycle de votre vie. Et c'est quelque chose qui vraiment arrive de manière soudaine, de manière inattendue. Ce changement en tout cas amène des projets concrets qui durent pour du long terme. Alors, on va rajouter d'autres cartes. Hop. On a la carte de l'épreuve, on a la maladie et on a l'homme brun. Alors ici, on a cette carte qui est ressortie dans la coupe. Pour certains, ça va être la concrétisation d'une relation, ça peut être une union, des fiançailles, un mariage. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous tracasse. En tout cas, pour moi, je ressens pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous impacte intérieurement par rapport à votre bien-être, à ce que vous ressentez en vous, dans votre esprit, dans vos pensées. Il y a cette sensation peut-être d'épuisement ou des choses qui reviennent à l'intérieur de vous dont vous avez besoin de vous libérer. Et là, avec ce roi de deniers, il y a cette possibilité de pouvoir ancrer les choses, de pouvoir stabiliser et reprendre le contrôle par rapport à sa vie amoureuse. Il est question en tout cas de choix, de décisions importantes que vous prenez avec la personne de votre cœur pour harmoniser une situation, pour trouver aussi un apaisement et pour être dans du concret, dans une stabilisation de votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis avec le grand tarot Béline. Alors, on va voir les amis avec l'oracle du petit enchanteur au niveau sentimental. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, dans la coupe, on a la carte de l'équilibre et on a la carte des racines. Ici, comme je vous disais, il y a un nouvel équilibre au niveau amoureux. On trouve des solutions. On a de nouvelles possibilités qui se présentent à nous pour trouver une harmonisation, pour se sentir aligné, se sentir bien. On a la carte des racines. Donc c'est tout ce qui se passe en vous. C'est aussi des choses que vous souhaitez concrétiser pour du long terme. C'est une relation qui, en tout cas, évolue, va vers une évolution positive et vers des choses qui sont très ancrées. Mais les racines, c'est vraiment un retour à soi. On va vraiment ancrer les choses, on va stabiliser une relation. Alors, on a la carte des remèdes, on a l'éveil. Cette carte ressort tout le temps.
On a la carte des souvenirs. Dans votre état d'esprit, on a l'attente. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le changement. Ici, avec cette carte des remèdes, c'est le fait qu'on... En fait, on va trouver de nouvelles possibilités qui vont permettre de se sentir plus équilibré, plus en harmonie. Et cette carte de l'éveil, elle apporte des éclaircissements dans votre vie amoureuse. Elle vous permet aussi de vous sentir guidé, de sentir qu'il y a aussi des signes, des synchronicités qui vous accompagnent, mais aussi vos guides qui sont présents dans votre évolution amoureuse. On a cette carte du souvenir, donc il y a cette sensation peut-être que par rapport à votre passé, ça peut être des événements importants, des choses qui vous ont beaucoup marqué, il y a cette sensation qu'il y a des énergies qui reviennent à l'intérieur de vous. Comme une sensation qu'il y a des souvenirs ou peut-être une situation par rapport à laquelle vous souhaitez avancer aujourd'hui. On voit que vous êtes dans une position où on a la carte de l'attente. Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin que les choses s'équilibrent et aussi besoin qu'une situation s'ancre dans le temps. Donc, vous manifestez dans vos énergies le fait vraiment d'attendre, alors pas d'être dans une attente qui est longue et qui est difficile, mais en tout cas, par rapport à votre relation amoureuse, vous ressentez que vous avez besoin que des projets se développent, qu'une situation, qu'une relation se stabilise. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte du changement. Donc on voit que cette personne est en évolution, en phase de transition. Ça peut être une personne aussi qui quitte une situation du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais il y a une phase de fin de cycle, de situation qui change. Cette personne a besoin de sentir évoluer, de passer à une nouvelle étape. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va aussi faire un tirage pour les personnes célibataires. Alors, pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, dans la coupe, nous avons semé. Et nous avons l'éclosion. Ici, pour les personnes célibataires, vous mettez des actions en place. Vous mettez des actions en place et vous avancez pour pouvoir aussi vous sentir épanoui, accueillir de la joie, du bonheur et de la réalisation. L'éclosion ici, c'est vraiment la symbolique où il y a une situation où intérieurement, vous sentez qu'il y a des choses qui se développent en vous, qui fleurissent et qui vous apportent beaucoup d'épanouissement. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la protection, on a recherché, on a la carte de l'introspection. Dans votre état d'esprit, on a la douceur et dans l'état d'esprit de la personne, donc la nouvelle relation ou la relation que vous attirez à vous, on a la carte de la lumière. Ici, vous êtes en quête intérieure de pouvoir vous connecter en vous, pour peut-être approfondir certaines choses, approfondir des ressentis, mais on voit aussi la protection. Donc on voit que vous êtes protégé au niveau amoureux, et en tout cas, vous avez besoin ici de retrouver un équilibre intérieur. Il y a en tout cas cette recherche ici de pouvoir trouver de nouvelles solutions, de se sentir ancré aussi au niveau de sa vie sentimentale. On a dans votre état d'esprit la douceur, donc vous êtes dans une énergie ici d'innocence, de pureté, de douceur, de simplicité. Vous attirez à vous en tout cas des énergies de partage et de beaucoup d'harmonisation. Dans l'état d'esprit de la personne que vous attirez à vous, on a la lumière. Donc c'est quelqu'un qui peut être vraiment avec de belles énergies et quelqu'un qui apporte beaucoup d'éclaircissement. En tout cas, je ressens que la personne que vous attirez à vous, c'est quelqu'un qui a une lumière importante, une âme forte et une belle vibration. Donc ça, c'est ce qui ressort dans ces énergies. Alors, on va aussi voir quel est le conseil pour vous. On va prendre les cartes guérir avec les anges. Alors, quel est le conseil pour vous, les amis ? On a le chakra du troisième œil.
Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc là, c'est tous vos ressentis, toutes vos intuitions qui s'ouvrent à de nouveaux champs des possibles et qui vous permettent de rentrer dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle énergie. On vous dit donc ici d'être attentif à toutes les perceptions que vous ressentez en vous pour vraiment évoluer et pour mieux comprendre une situation, pour mieux mettre des mots sur vos ressentis et approfondir certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la carte conseil. On va voir aussi quel est le message de vos guides. Donc j'ai une carte aussi qui s'est retournée, donc on va prendre les deux. On a la carte de l'ange gardien et la manifestation. Et confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Donc là, on vous invite à avoir confiance. La manifestation, crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc à travers les énergies que vous émettez, que vous envoyez à l'univers, on vous invite vraiment à avoir confiance en vos ressentis, en vos possibilités, en tout ce qui se présente à vous. Et pour finir, on va faire une petite coupe avec le petit Lenormand. Hop là. Alors. Dans la coupe, nous avons la cigogne et la croix. Alors la cigogne, c'est une carte de changement, d'évolution. C'est une carte qui représente aussi la maman. Donc si vous avez la carte de la lune à côté, ce sera votre maman. Sinon, c'est une maman. Donc ici, la carte de la cigogne, c'est le changement positif. C'est une évolution de vie, une grande transition. La carte de la croix, ça représente le chagrin, la peine, la tristesse, tout ce que vous portez comme un fardeau, comme une grande difficulté. Mais c'est aussi, tout ce qui représente la spiritualité. Donc on voit ici cette symbolique de foi, de croyance, de quelque chose qui vous guide intérieurement. Avec ces deux cartes, on peut nous parler ici d'une maman qui se sent triste, qui se sent dans une phase difficile, mais ça peut être aussi un changement par rapport à une situation et vous avez peut-être du mal à avancer ou peut-être du mal à vous projeter concernant ce changement de vie. Donc là, on vous invite à avoir foi et à pouvoir garder espoir et à croire en vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous, en tout cas vous a apporté des réponses. C'est toujours un bonheur de vous retrouver et de vous lire. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.